Ah, j'ai retenu. Et là on passe à Eli Aïdo.
Le bateau d'eau, normalement, c'est la coupe de paillon. La finalité, en tout cas, c'est le mouvement de coupe. Là, en démonstration, il n'y aura pas de coupe, évidemment. On va éviter de couper des membres, des têtes. Thank you.
Et on va ensuite passer, si je ne dis pas de bêtises, au kendo. Là, cette fois-ci, c'est en armure. Il va leur falloir quelques instants pour s'équiper. Je vous rappelle que juste après, vous pourrez venir manipuler. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et vous pouvez aussi, bien sûr, après les rejoindre. Ils sont d'Orléans, c'est le Token Dojo à Orléans, où ils dispensent des cours régulièrement, chaque semaine. J'en parle un peu plus tard avec Laurent. Poser la question sur l'utilité du foulard sous l'armure. Ce n'est pas une question esthétique, mais plutôt pratique. La pratique du kendo est très énergivore, et vous imaginez bien que du coup, on perd une grande quantité d'eau. Et imaginez-vous qu'en plein combat, si vous aviez la transpiration qui vous coulait sur le visage, dans les yeux, il était fort probable de prendre le coup ultime. Voilà, ils sont prêts. On passe donc maintenant au kendo. Thank you.
pouvez manipuler les Shinai, ce sabre en bambou. Fait pour la démonstration, évidemment, pour pouvoir porter les coups. Voilà, c'est terminé pour le kendo. Vous pouvez encore une fois les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et s'il y a quelques courageux, courageuses qui veulent venir manipuler,
on vous propose de vous montrer les gestes, la pratique, en direct. Laurent, est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Si t'es pas trop essoufflé, je sais qu'hier je t'ai pris comme ça au pied levé, c'était un peu difficile à quand je viens avec toi. Explique-nous un petit peu ce qu'est donc du coup le Token Dojo et puis vos pratiques. Alors le Token Dojo est un dojo dans lequel on pratique l'escrime traditionnelle japonaise, dans le sens des budo traditionnels, c'est-à-dire que je ne visais pas de pratiquer la compétition, mais peut-être plus le voir comme une quête de développement, d'équilibre, développement personnel. D'ailleurs, le mot Yaido, c'est la recherche de la voie de l'harmonie, donc on apprend à dégainer le sabre. C'est intéressant, on en parle peu, parce qu'on voit souvent le sabre comme une arme mortelle et une arme de mort, mais notre pratique, c'est plutôt de pratiquer un sabre de vie. C'est-à-dire que on a un maître qui s'appelait Kato Sensei, qui était un grand humaniste, qui était kamikaze, il a failli mourir et il a voué toute sa vie à la pratique du sabre. Et ce qu'il disait, Kato Sensei, c'est que le sabre, tout tranchant qu'il est fait pour réunir. Là où il a pendant des années tué, c'est comme s'il y avait une forme de réparation ou d'amener à un autre niveau de conscience ce sabre. Voilà, c'est... Et l'idée, c'est de pratiquer tous ensemble. Voilà, on construit ensemble le Token Dojo. Donc, quatre disciplines. Le bateau d'eau, l'art de la coupe, qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas pu couper sur des paillons pour des raisons de sécurité aujourd'hui, ça demandait une intendance un peu trop lourde. Vous pourrez venir au dojo, si vous voulez pratiquer. Le Yaido, l'art de dégainer. Le Kenjutsu, c'est ce que vous avez vu au départ. Des combats codifiés avec des sabres en bois qui amènent la concentration de la présence. Et puis le kendo qui nous emmène dans un réel esprit du combat où il n'y a plus de. C'est pas codifié, il y a vraiment un combat réel avec une intensité assez rare. Voilà. Ces quatre disciplines forment l'escrime japonaise. Donc si vous voulez venir essayer, on est rue des Quatre Fils Aymon à Orléans les mardis soirs à 19h30, les jeudis soirs à la même heure pour le kendo, et le samedi matin de 9h30 à 12h30. Voilà. Soyez les bienvenus, et puis s'il y a des personnes qui veulent venir s'initier, elles sont les bienvenues. Voilà, merci. Et ben moi je vous remercie, vous, de venir présenter tout ça. C'est très joli, c'est très harmonieux, ça donne envie d'essayer. N'hésitez pas à venir vous y tester. Vous ne risquez normalement rien, peut-être la perte d'un bras. Et qu'est-ce qu'un bras ? Quand on sait qu'on en a deux. On a un volontaire, on a un courageux. Même deux, vous pouvez le faire tous les deux. Allez-y. T'as envie de tester aussi ? Allez. Et bien sûr, on est là pour ça. Toi aussi ? Moi, je pensais que vous étiez largement au point niveau ça. Je vais regarder ça. Et dans une vingtaine de minutes, c'est l'Académie Sabre Laser qu'on retrouve juste devant la scène pour une démonstration de sabre laser. L'Académie du Sabre Laser, vous êtes orléanais également, c'est ça. Je sais que vous ne recrutez pas, on en a parlé hier. Vous êtes au complet jusqu'à la mort d'un d'entre vous. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Thank you.
quelque chose de logique. Si j'ai comme ça, si j'ai comme ça, psychologiquement, c'est pas la même chose. Le combat, il gagne déjà par la garde. Voilà. Et après, c'est pas Moustachi, si vous voulez passer sur ses débuts, n'hésitez pas à venir le contacter. Il faut réaliser une très jolie pièce en fumée ou court. Ça va le tatouer ? Ça pique un peu ? Ouais, je le vois dans tes yeux, il y a des petites larmes qui commencent à venir. Je vais revenir jeter un coup d'œil un peu plus tard, j'ai envie de te voir pleurer. Il n'y aura donc pas de disponibilité aujourd'hui sur ce stand, mais n'hésitez pas à prendre la carte et aller faire un petit tour du côté des glues. Ken, ça va Ken? T'as fini? Les finitions, ça va, ça se passe bien? Il est tout correct? Bon, à un moment donné, c'est fini, là, tout seul. Il reste du blanc? Il reste du blanc. Ken, Inkaolis, également donc non disponible ce week-end, mais n'hésitez pas donc à prendre quelques informations, si vous voulez faire table de passer soin, il est disponible évidemment au shop. Tipping Kaolis, Power. Ça va? Mais oui. Est-ce que tu as des discours aujourd'hui? Ça va être sportif? Donc non, pour l'instant il n'y a plus de disponibilité non plus. Passons à Soc Créa. Pareil, pas dispo aujourd'hui je pense. On profite les détails pour être prêt pour ce soir, pour les concours. Il y a du lourd, du très très lourd chez nos amis King Kaolis. Certains pourront en entendre parler encore et encore. Tu vas bien? Namideko. Il y a de la dispo avec Namideko?
Il reste encore quelques petites places. N'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil aux différents flashs qui nous sont proposés sur le stand donc de Dani Neko. Needle Juice. Tu vas bien ? En forme aujourd'hui ? Ah oui, dernière journée. Qu'est-ce que ça donne ce tatou ? Ouais, cool. On y est presque pour ce soir. Ça va aller ? Sous, il n'y a pas le choix. Voilà. Je le dis souvent, hein, les femmes sont des warriors par rapport aux hommes. Moi, je vois les hommes qui pleurnichent des fois, qui portent l'oreiller. Les femmes, par contre, ça passe crème. Popeye. Qui dépend là. Il est en balade, Popeye. En même temps, il est membre du jury. Il ne pourrait pas présenter une pièce en concours. Voilà. Non, il n'a pas à aller voir ce qui se fait. Normalement, il doit être neutre. Il ne va pas regarder ce que font la concurrence. Hein? Je vais regarder ce soir les notes, attention. Ouais, j'imagine. La Maison des Femmes. L'association La Maison des Femmes, vous allez bien? Hier, il y avait une tombola. Vous avez fait le dépouillement. D'accord, le tirage au sort a été fait déjà. Vous savez ce qui va être fait aujourd'hui. Moi, hier, ils m'ont dit qu'ils le faisaient ce matin, que vous alliez le faire ce matin. Voilà, je ne sais pas. Après, vous me faites signe si vous voulez qu'on le fasse au micro, qu'on le dise en même temps, on en parlera évidemment. D'accord ? N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, plus de tombola. Et bien sûr, on se retrouve tout à l'heure pour la vente aux enchères sur scène. D'accord ? On va faire monter au maximum les enchères. On espère que vous allez être nombreuses et nombreux devant la scène tout à l'heure pour la vente aux enchères. Différents artistes et créateurs ont créé des pièces pour vous qui seront à remporter aux enchères. Et la totalité des sommes est versée. La Maison des Femmes, c'est important. Soyez nombreux et nombreux devant la scène, sur vous.